أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Nous allons maintenant nous pencher sur un verset qui est un verset qui m'a toujours accompagné dans ma vie spirituelle. Alors je ne dis absolument pas que j'ai réussi, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie, à être à la hauteur de ce verset. Je ne dis absolument pas cela, mais au moins j'aurais essayé. Et c'est ça la quintessence de l'adorateur dans son cheminement vers Allah. On essaye. On fait tout ce qu'on peut. Et après, Allah Azza wa Jal met la baraka, met le tawfiq, la réussite ou non. C'est lui qui décide. Allah Azza wa Jal nous dit « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, quiconque se détourne de mon rappel, quiconque se détourne du Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du dîn d'Allah Azza wa Jal, il mènera certes une vie pleine de tourments, et le jour de la résurrection, nous le ramènerons aveugle, aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais? On lui répondra, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui, tu es oublié. Plusieurs dimensions. Ceux et celles qui vivent détournés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans des vies où le centre de leur existence est simplement leur passion ou bien alors leur conception personnelle de ce qu'est être heureux et de ce qu'est le bonheur. Car le musulman voit le bonheur sous le prisme de ce qu'Allah aime. Et si nos cœurs n'arrivent pas à être heureux dans ce qu'Allah aime, on se doit d'invoquer Allah et de faire des efforts pour réformer nos cœurs et purifier nos cœurs. Car le cœur pur aime l'adoration. Le cœur qui ne l'est pas déteste l'adoration. Qu'Allah nous préserve. Ce n'est pas défaitiste ce que je vous dis. Au contraire, si tu ressens mon frère, si vous ressentez ma sœur dans votre cœur, des lourdeurs, ou si nous ressentons des lourdeurs et parfois l'envie de tout délaisser, c'est juste que nos cœurs sont en train de s'éloigner de la pureté du tawhid d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux et celles qui se détournent du rappel d'Allah, il mènera certes une vie pleine de tourments, parce que ton âme appelle à la spiritualité. Et si tu n'as pas cela, tu ne peux pas être équilibré et être heureux. Et le jour de la résurrection, cette personne sera ressuscitée aveugle. Et cette personne dira, « Ya Allah, Rabbi, mon Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que je voyais dans la vie d'ici-bas? Je ne suis pas censé être ressuscité aveugle alors que je voyais dans la vie d'ici-bas. » On lui répondra, de la même façon que nos signes te sont venus et que tu les as oubliés, aujourd'hui tu es oublié. Al-jaza ou min jinsil a'mal. La conséquence des actions. Je vis dans l'oubli volontaire de ce qu'Allah aime, de l'obligatoire, de l'interdit. Je fais ce qu'Allah déteste à longueur de journée. Et je délaisse ce qu'Allah aime à longueur de ma vie. Je vais devoir en répondre et en assumer les conséquences. Et la réalité, c'est que celui qui ne voit pas la lumière du dîn est aveugle dans cette vie d'ici-bas, spirituellement. Et donc Allah Azza wa Jal le ressuscitera, ou la ressuscitera, au jour du jugement, aveugle, physiquement. Qu'Allah fasse que l'aveuglement que nous avons, quand nous l'avons, nous le ressentions réellement comme s'il était vrai, afin de s'en repentir et afin d'en sortir. Ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous préserve tous et toutes, mes frères. Je vous aime pour Allah Azza wa Jal et je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder les plus hauts degrés du paradis et de nous donner la al-basira, al-qalbiya, c'est-à-dire la clairvoyance du cœur dans cette vie d'ici-bas, afin de voir ce qui est important, de faire ce qu'Allah aime et de récolter au jour du jugement les conséquences de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal an yubarik fi ilmina
هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.